Noche de las Poéticas. Es la saison manger vos otros maîtres. Es una pequeñita mezclaña. Un poquito de Isabel. Un poquito de Nadine. Un poquito de Cécile. Un poquito de Isabel. Un poquito de Bodega. Y un poquito de Cécile. Un poquito de Nadine. Un poquito de Cécile. Y un poquito de Isabel. Buena soirée. Ils sont embêtés car l'éditeur n'est pas là. Je vais vous lire un court extrait d'un court texte qui s'appelle Mon Savoir, qui est dédicacé à Jean-François Maury qui m'a plagié dans Anticipation. Il faut savoir, savoir ça, savoir peut-être. On pourrait se voir, savoir sans savoir, qui sait. On se tait. Quand on ne sait pas, savoir, toujours savoir, plus de savoir. Il y en a qui savent, je sais. Je le sais bien, à qui mieux. Je sais tout, monsieur, je sais tout. Quand on sait pas, on se tait. Tais-toi, t'es qui, toi? Il faut savoir, on sait jamais. Ça se sait, qui sait, tout se sait. Je sais que je sais, je ne sais qui, je ne sais quoi. Faut savoir, un je ne sais qui, un je ne sais quoi, c'est à savoir. Savez-vous, savoir vivre, savoir faire, savoir par cœur. Avis à la population. Accouplement vivement déconseillé avec âme sensible, s'abstenir donc. Attention, ne copinez pas avec, ne coadjurez pas avec, ne coagulez pas avec, pas, ne coalisez pas avec, ne cooptez pas avec, pas, ne coauteurez pas avec, ne cochez pas avec, ne cochoncetez pas avec, ne cocufiez pas avec, ne codifiez pas, ne coépousez pas, un, une, ne coincez pas, un, une, ne coïtez pas avec, ne colimbaillardez pas avec, ne comblez pas avec, ne combupérez pas avec, ne commissurez pas avec, ne compilez pas avec, ne concavez pas avec, ne... Tu vas pas nous réciter tout le dictionnaire. Ne copulez pas avec, ne vous amourachez pas de... Avec toute personne susceptible de créer quelque chose, comme par exemple une personne qui écrit. La personne qui écrit ne pense qu'à l'écriture, la sienne. La personne qui écrit ne vous voit pas. Au mieux, elle vous écoute et corrige vos erreurs de langage. Ou au pire, elle utilise tout ce que vous dites, le transforme, le déforme. Il y en a. La personne qui écrit a toujours raison. Il y en a même qui compte le nombre de syllabes des mots que vous prononcez. C'est étrange, ma chérie, vous n'utilisez que des mots de 2 syllabes. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux pas que je parle? Tu veux pas que je parle comme tout le monde? Tu veux pas qu'on me comprenne? Tu veux quoi? Tu veux que je parle comme toi? Que j'aille à toi? Faites un effort, ce n'est pas beaucoup vous demander. Vous devez en être capable. Capable de quoi? Pourquoi faire? Il veut que je dise pas 2 syllabes. Tiens, j'en ai un. J'en ai la conjuration des imbéciles pris Pulitzer. Tiens, j'en ai 3 qui font 4. Tu veux quoi? Tu veux que je te parle de la Constitution? Tu veux que je te lise les infos d'emploi? Ça pourrait t'inspirer, les infos d'emploi. Allez, tiens, je t'en lis une petite... Une insolite, tu veux de l'insolite? Tu veux, je te... Numéro d'offre, 09 82 67 Z. Légionnaire HF, code métier Rome, 11 311. Vous aimez l'aventure et avez envie de servir la nation? Vous avez entre 17 et 40 ans? La Légion étrangère vous propose un engagement et une réelle possibilité d'évolution de carrière, recrutement sur tests médicaux, sportifs et psychologiques. Surtout, ne...
Surtout ne dites rien. Il était blanc. Ne, il était bon. Ne lui, il sentait bon. Ne lui dites le sale de chou. Ne lui dites rien. Copulez en silence. Mon légionnaire, ne copulez pas avec ces gens. Cessez de fantasmer sur ces « Oh oui, oui, matelot !» Parleurs, c'est beau, parleurs, c'est cacatoès de la page blanche. Restez. Je ne pense pas être la personne qu'il vous faut. Matelot navigue sur les flots. Restez muet. La personne qui écrit a go surdimensionné. Et vous n'existez même pas aux yeux de la personne qui écrit, ni même aux yeux de ses amis qui se demandent ce que vous faites avec la personne qui écrit. Ou plutôt, ce que fait la personne qui écrit avec vous? Qu'est-ce qu'elle fait avec vous? Car les amis de la personne qui écrivent alors. Restez muet, muette de surprise, d'admiration devant son génie, tout au moins au début. Après, vous. Oh, c'est beau ce que tu écris. C'est profond. Oh, c'est profond. Jusqu'à ce que, lassé, vous alliez voir ailleurs si la vie est moins rose et plus rose. Parce que la personne qui écrit passe son temps à bâiller aux corneilles, les yeux fermés, elle se concentre, elle pense, elle ne bouge plus. Alors, où en étions-nous déjà? Ah oui. Elle pense, elle ne bouge plus, la personne qui écrit ne bouge plus. Pourquoi tu bouges plus? T'es mort? T'es morte? La personne qui écrit ne fait rien, ne travaille pas, a besoin de vous, a besoin de sous, a besoin de soutien. T'as besoin de sous? Tiens. Je te veux toute nue. Avec un gros nœud rouge. Tout autour de la taille. Tu me prends pour une bagnole ou quoi? Ne fais pas la poussière, ne balaye pas, ne fais pas les repas. Parce que la personne qui écrit, écrit dans sa tête quand elle n'écrit pas sur du papier ou autre support. Donc la personne qui écrit est toujours occupée à quelque chose. Surtout, surtout, ne faites pas de bruit. Ne dérangez pas la personne qui écrit, qui pense, qui... Numéro d'offre 09-81-40-Z, responsable d'études système de combat HF code métier Rome 53-122. VS contribuer à la définition des exigences communes et spécifiques aux différents systèmes de combat pris en entrée, en assurant leur traçabilité avec exigences initiales et en identifiant modalités d'acceptation associées à mettre en œuvre culture industrielle et technique et... Non mais qu'est-ce que vous croyez à la fin? Cessez de vous illusionner. La personne qui écrit ne fait plus l'amour, du moins plus avec vous, parce que la personne qui écrit est passée à une autre histoire. Accouplement, copulation et tout le tintouin vivement déconseillé aussi avec, par exemple, les personnes qui performent. Les performeurs, on dit. Les performeurs, pas les pères fondateurs, qui ont, semble-t-il, la névrose de la mesure. C'est j'en mesure tout, la distance d'un point à un autre, le nombre de pas qu'elles doivent faire. Si les personnes qui écrivent comptent tout, les lettres, les syllabes, les mots, les lignes, les pages, les personnes qui performent, elles mesurent tout, et vous avec, vous voilà devenu une espèce d'installation. Et là, faut pas poser de questions, hein. Faut pas demander pourquoi vous êtes censé comprendre ce qui se passe, ce qui s'espace, et compter les intervalles avec lui, avec elle. Surtout ne dites pas que vous n'y comprenez rien. Quand la personne qui performe vous demande obsessionnellement de vous déplacer, déplacez-vous. Déplace-toi, pousse-toi de là. Que je mesure mon fil électrique, mon fil de laine, mes brochettes de poulet, mon rideau de ketchup, mon... Oh là, qu'est-ce qu'il mesure encore? Encore une fois, restez admiratif. Cependant que vous désirez absolument vous exprimer, je conseille les onomatopées ou les messages sibyllins, comme par exemple, aurais-tu une idée de l'endroit où j'ai mis les clés de ma voiture? Ça me fait quelque chose d'y penser.
Je fais que penser à rien. Je fais rien que d'y penser. J'y pense et je fous rien. J'en fous pas une, même pas une. À foutre, je m'en fous pas mal. Je fais rien que tout faire mal. Je fais rien de mal. Mais je fais tout de travers. Je fais tout mal ou rien. C'est un moindre mal, mais je fais rien, j'en fous pas une, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à dire. D'y penser, ça me dit rien, qui vaille, je touche à tout. Mais tout m'échappe. Je suis tout ou rien. Je suis rien du tout. Je m'en remets à toi. C'est comme ça. C'est ça, pour rien, c'est tout, pour rien, c'est rien de le dire, mais ça sert à rien, ça sert à rien. Du tout. Expression numéro 1. Expression numéro 2. Expression numéro 3.
Présentation numéro 4, 5 et 6. Expression numéro 7 et 8. Expression numéro 10. Expression numéro 11. La porte. Expression numéro 13. Désolé. Expression numéro 14, 15 et 16. Vous avez du feu? On a la bombe, on a du feu. C'est à cause de la source là, en fait, on a... À bout de bras. Non, c'est la chandelle. Expression numéro 17. Expression numéro 18. Expression numéro 19. Expression numéro 20.
Les poissons numéro 20. Expression numéro 22. On a compris. Merci, tant mieux. Pardon ? C'est de l'ail. De l'ail ? Piquer d'ail ? Piquer une tête. Oh ! On veut de la poire. On va pas gâcher quand même. Pour demain.